Yo tout le monde, c'est Chubb épisode 24, Rome de Total War. On joue les Alain. Bon les gars, je vous préviens, aujourd'hui je vais avoir du mal à articuler. Voilà. Hein? Non, je n'ai rien de compromettant dans ma bouche, je vous vois venir. On se calme. Alors, les Sassanides. M'offrent beaucoup d'argent. Mais je vais m'en débarrasser. Hein. Quitte à perdre une ville ou deux, je ne sais pas. Mais votre décision est prise et vous devez vivre avec. Bah écoute, je vivrai avec cette décision. Ah, l'embuscade qui marche, une petite résolution automatique, voilà. Tu as bien fait devenir mon ennemi. Cela me fait un peu d'argent. Je vois que les Bactries se réveillent également. Alors, ils se réveillent ou ils dorment? Rien n'est moins sûr. Ah, alors. C'est une embuscade, c'est ça qui a fonctionné. Très bien. Hop, rétention d'un agressif. J'ai aucune idée d'où ça se passe. Hein. Ah oui, d'accord, on est là. Oh, le seul. Ni ça. Ah, je vais pas les laisser prendre ça. Clairement, je vais pas les laisser prendre cette ville. Ou au moins, je ferai en sorte qu'ils aient beaucoup de pertes. Donc je mène la bataille sur le champ. On se retrouve de suite. Bien sûr, elle est disponible en fin de vidéo. Une victoire, une belle victoire. Ça fait plaisir. On les a dégoumés. Je sais pas si ça se dit. Goumés. Dégoumés. Mais voilà, enfin le principal c'est qu'ils ne sont plus. Pas le choix, on va devoir recruter. Ah, bon outil. Alors, on va faire le siège de. S'il veut bien, oui. Voilà, on va reprendre ça. Soit un siège, soit une révolution automatique. On encercle et on emmène tout le monde. Voilà. Ils nous poseront plus de problèmes. Bien évidemment. Attends, c'est. Hop, on dissout ces unités. Là, ça coûte cher. Ouais, on laisse la robe. Qui es-tu? Très bien. Les brûleurs de yurt, on va continuer. À s'étendre. Là, on va aller à Gore avec eux. Alors, les brûleurs de yurt. Hop. Armosia. Voilà. On fait tomber. Belle une ville à eux, enfin l'Empire bien évidemment. Empire et on rase, pardon, Empire et on rase. Hop. Les villes coyotes, vous allez à Gore. Au début je voulais aller à la Persepolis, mais c'est un peu loin, pardon. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends totalement? On retourne à Nisa. Ici. Voilà. Là, je crois que j'ai perdu une unité là à cause de saloperie de l'image. C'était à prévoir. Hein. Je me suis fait avoir par la revue de la portée. Hein. C'est des choses qui arrivent. Et voilà, on a coupé en deux les territoires ennemis.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il reste plus grand chose. Il leur reste 4 territoires ici, 6 territoires là. Voilà le Sassanide, hein, qui a perdu de sa grandeur. Enfin, pour mon plus grand bien. Ouais, on va voir. On a dit c'était pas rentable ici. Ici, on est bien. Ouais, effectivement, on va remettre des bâtiments de notre culture, faut pas déconner. Butine et pont tous. Marchand d'esclaves, hein. Hop. Non, c'est Galatia et Cappadocie en plus. Oui, on a du bonheur. Profitons-en. Là, on est bien, tout ça, on est bien. Hein. Hop, on est triac, ça fait de la nourriture. Seul endroit où je peux pas le faire, c'est dans une ville minière industrielle. Ça baisse les revenus. Donc c'est pas intéressant. Enfin, dans une région, pardon, minière industrielle. Ah, j'ai oublié ça. Ouais, je t'en prochain, allez. Hop, les mots fléchés, bien joué à vous, les gars. Expert agricole. Ah, je les avais pas vus, eux. Une petite armée qui traîne. Bon, on va voir ce qu'ils font. Là, déjà, j'ai bien foutu le Dawa, on va dire. Chez eux, j'ai semé le trouble. Ah mince. C'est pas grave. J'ai validé le... s'appelle je sais plus, enfin j'ai semé le trou parmi mes opposants, c'est dommage. On va faire ça. Hop, on répare bien évidemment, on continue, on va pourra même principe. Hop. On pille en général rond 10. On rase. Imperium, allez. Bon, par contre, je perds des revenus, c'est dommage, mais allez. hop. Ah, zut. Ah, bah allez, j'y arrive pas ce soir. Voilà. Bien joué à toi, ma reine. De rang maximum. Ah non, mon général, même pas ma reine, pas du tout. oui. On les emmène à BAM. Non. Pour le jeu de mots, je sais pas si c'est... Je sais pas si je peux la faire sur... faire ce jeu de mots sur cette carte. Ah zut alors. Là, on a BAM et normalement il y a... Ah, ça doit pas être sur cette carte là. Normalement il y a une ville qui s'appelle BIM. Ça fait BIM BAM. Il manque juste le BOOM. Ah bref. Certains auront la référence, les pauvres. Je suis comme vous. Traumatisé par... Allez, Galatia et Cappadoce. On va augmenter les revenus. Voilà. Allez, deux provinces et il n'y a plus de Sassanides. Allez, allez.
On est motivé là, on est plus motivé que jamais les gars. Clairement plus motivé que jamais. Rome n'est pas une amie, une ennemie selon l'humeur. Attention quand même, on s'attend beaucoup. Le Calédonien était en Macédonie. Fini la Macédoine, là, ça fait 1000 ans. Hein. Peut-être pas, mais ça fait bien 800 ans hein, qu'il n'y ait plus de Macédoine. Hein. Ouais, non, je sais que ça. Ça fait longtemps. J'avais pas un truc genre là. Ouais, moins de banditisme, allez. Hop, on prend Auréa. Pareil, on pille. Et on rase. Parfait. Allez, 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 allez. Et on va finir avec Frada. Un pillage, on rase. Et il reste plus que quelques unités sassanides de ci, de là. D'ailleurs, les cartes sur table, si je peux les emmener. Ah, je peux pas les emmener à Bab. Ça, c'est triste. C'est pas grave. Là, on a Dabactri. Un chemin forcé, d'accord, c'est pour ça. Donc ils vont certainement attaquer à Bam, je suppose. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Je pense pas qu'ils aient la portée pour Persepolis. Donc on va rétablir l'héritage, la force d'Api. On va lever tous les mercenaires dispo. Comme ça, eux, ils pourront pas en recruter. C'est surtout ça, en fait, le truc. Ils pourront pas recruter de mercenaires, pas devenir plus forts. Avec ça, ça devrait suffire. Allez, on est pas mal là. Hein, ça se passe plutôt bien. Ah. Ouais, on continue comme embuscade au cas où. Les brûleurs de yurt. On fait du bon travail aussi. Hein. La partie s'accélère. Je profite du passage de tour pour vous demander. Voilà donc. Qu'est-ce qui vous plaît sur ces épisodes? Et qu'est-ce qui vous plaît moins? Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Moi, ça me permettra d'essayer de proposer du contenu voilà, plus intéressant pour vous. Avec... Bon, bien sûr, hein, tant que c'est dans le possible. mais voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Ce sera c'est en vue d'amélioration, évidemment. Hop, embuscade là. Peut-être plus ici là. Ici là, oui, oui, ici là. Oui. Hop, évolution. Agressif, hein, je veux pas trop de survivants ennemis. Surtout donc des sentinelles des sables. Ah, il a encore envie, sérieux. Ah, dis donc. Eh ben, cochon. Allez, on retourne à. Ah, on retourne pas à Petra. Bon, on leur a fait bien mal. Ensuite, eux, ils sont perdus. D'accord, ils sont partis sur Persepolis et Suse. Ça me va. Pourquoi? Parce qu'à chaque tour, ils perdent de la nourriture. Enfin, ils perdent de l'intégrité d'armée. Voilà, donc je défends ce qui est difficilement défendable par, on va dire, juste l'armée de garnison. Bon, je vais pas me faire avoir deux fois ici, j'ai pas la portée. Voilà. Ah mince, il y a une révolte ici. Une révolte, elle est ouf. Elle est là. Quoi?
Non. Ah zut, j'ai plus de bâtiment. J'ai plus de bâtiment, j'ai plus d'argent. Ouais, et là niveau moral, ok, c'est revenu à la normale. Enfin, niveau bonheur, bien évidemment. Là, ils pourront pas attaquer, ils sont trop loin. Est-ce que je peux aller sur Merve? C'est merveilleux. Ah. C'est compliqué. Bon, on encercle. Ça peut lui faire des pertes, hein, ce sera pas mal. Ce serait clairement pas mal. Et alors. Allez. Tour d'après. Un dernier tour. Vache! Oh, il a une portée! Bon, résolution auto. Ah, je pensais pas qu'il avait autant en portée, le gars. Oh. Ah bah, zut. Ah, il est arrivé de nulle part. C'est pas grave, on a des armées pas loin. On a une à Persepolis. Ah non, il y en avait une autre. D'accord. Non, pas de paix avec lui, hein, clairement pas. Il n'y a pas d'unité de cavalerie, enfin il y en a deux. Bah, je vais mener la bataille sur le champ. Hein, juste pour lui faire des pertes, voilà, avec deux unités de cavalerie, je vais tout lui retirer. Je vais utiliser mes unités lance-projectiles pour lui faire des dégâts. Et puis voilà. Allez, on se retrouve de suite. Bien sûr, la bataille est disponible en fin de vidéo, quand même. Beaucoup d'armées là. Bon, j'ai perdu une unité de mercenaires, c'est pas très très grave. Quarquois noir, c'est chier. Oh, ça c'est chiant par contre. Oh, on dirait qu'ils ont pas combattu. Ils ont ils ont recruté un général. Non, c'était encore une autre armée. Bon, c'est pas grave, je perds cette armée, j'ai pas envie de la jouer. Et de toute façon, je la gagnerai sûrement pas. C'était pas une bonne armée, c'était de la mer du mercenaire. Bon bah, je vais aider mon allié, hein, qui se fait attaquer. Oh, bas quartier. Oh. Ça c'est mauvais, hein, tout ça. Oh, bah, oui. Ça me coûte 500 en plus à démolir les bas quartiers. Donc ça me donne du négatif. Beaucoup. Et en plus, ça me coûte de l'argent à détruire. Ah là là, c'est pas cool ça. Aïe, ah bon, ça. Allez hop. Voilà, ensuite, il faut vraiment que je me débarrasse de tout. Ah, c'est pas vrai ça. Mais non. Comme ça, c'est pas bon. Hop, voilà, on attaque par l'arrière. Bien évidemment, on rase. Je veux pas en entendre parler. Tac et tac. Ici, enfin, j'arrive à réguler ce problème, mais bah, ils savent pas où aller. J'ai une idée. Je vais prendre mes espions. Je dois en avoir dans le tas, non? Qui traîne quelque part d'ici de là. Voilà, on va commencer par... Mais non, j'ai même pas la portée. Oh là là, quand t'as la poisse, t'as la poisse. J'ai envoyé mes espions les assassiner, voilà. Putain, j'ai pas la portée, de... vraiment, juste vraiment, histoire de dire non. Bon, on va continuer la défense, comme ça. Quoique, si jamais ils ont la portée, non. De toute façon, ils n'ont aucun endroit où aller.
Ouais, ok. Là, on a ce qu'il faut. Là, ouais, ça pourra. Là, on a ce qu'il faut. Là, on a ce qu'il faut. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les Sassanides sont bientôt foutus. On s'est fait un nouvel ennemi ici, mais bon, pas très grave. Hein. Ouais, je pense que la Nabatée pourra s'en charger. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, c'était Thiom. Ciao. Alors, tactique classique. Je vais pas y arriver aujourd'hui, hein, c'est fou. Hein. Je suis mort. Ben, ils ont de la cavalerie lourde. Ben, ça va être chiant, donc je sors vite ma cavalerie. Ben, j'essaie de la faire arriver sur le côté. Et même essayer de faire en sorte que leur cavalerie me suive. Non. Ça marche pas trop. Bon, on va continuer à faire feu sur le général, écoute, il a pas l'air de m'en vouloir beaucoup. Ça me va. Je vais me prendre une charge foirée en plus, ça c'est pas trop mal. Voilà, je me mets derrière, voilà, comme ça c'est feu nourri sur les unités du général. Et surtout là, il faut pas que je me fasse tirer dessus comme ça, là, c'est pas bon. Allez, on contourne. S'ils veulent bien, là, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, c'est pas grave. Là, ça tire bien sur le général ou pas? Oui, il a des pertes, ça c'est exactement ce qu'on voulait. Là, faut pas qu'il tire. Allez. Voilà, alors, je retire le mode favorité là parce que c'est pas bon. C'est qui ça? Hop, voilà, on a une petite charge tranquille. Bien évidemment, on reste pas au corps à corps avec de la cavalerie de tir. C'est parfait. Allez, on remet le mode de tir à volonté. Ah, ici, ça tient bien même. Là tu vois, tu décales parce que tu sers à rien là bas le général ennemi il fuit. Hop, on retire ça parce que c'est chiant. Voilà, et là on fait une charge. Eux ils vont mettre un temps certain. Ah merde, j'ai totalement oublié le mode escarmouche là. Allez, reculer. Bon, là j'ai fait quelque chose de pas très très beau. Attention au piqué là, ça c'est pas bon du tout. Hop, je charge par l'arrière. Là je les avance, j'ai pas mal de pertes, c'est dommage. Hop, j'y pense, tout le monde en mode garde, voilà. Là ça leur fait des grosses pertes. Le général ennemi appuie. Et je vais pas rester au corps à corps de... des piquets, ça ne sert à rien. Hop, allez, on retire le mode de volonté. Non, c'est pas ça que je veux. On charge ici une fois, c'est parfait. Là, on va chercher le corps à corps derrière. Et on garde les munitions pour les piquets. Très important. Et bah alors, tu regardes, tu te fais charger. Hein. Allez, ouf. On refait une petite charge. Parfait. On a notre cavalerie. On la prépare. Bah oula, je vais... Bien entendu, je vais laisser le moins de survivants possible. Là-bas, c'est quoi? Non. Hop, on passe au mode corps à corps. 60. Oh, il y en a beaucoup là. Est-ce qu'il y en a par là? Non. Hop, moi ici ça sert à rien, tac, 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 on retire le mode garde.
Par contre, tout le monde au galop, faut pas décoller non plus. Ah mince, pourquoi les deux ils ont pris là? Ils ont pris le même, mince. Pas ça du tout, je voulais ça. Vous faites quoi vous? Allez, c'est quand tu veux. Voilà. Comme ça, moins de survivants. Et plus de temps à remonter son armée. Allez, c'est une victoire. On a réussi à pas perdre. On a peu de pertes en plus. C'est parfait. Le général ennemi qui a raté sa... Il a raté sa charge. Allez. Alors, en plus, on se défend. C'est ça qui est magnifique. Je vais sûrement me mettre sur la hauteur ici. J'ai beaucoup de lance-projectiles. Ouais, j'en ai trop. Voilà, non, mais vous restez dans la plaine, là. On sera bien. Allez, je pense que comme ça, on est pas mal. On met toute notre cavalerie. Lance-projectiles derrière. Eux, bien évidemment, également... Mon escarmouche, ma cavalerie de mêlée, je la mets là. Et mes unités corps à corps derrière mes archers. Voilà, ce sera au cas où. Oh. Oh là, vous savez quoi les gars? Je crois que j'ai des boules de feu. Hop, je planque ma cavalerie ici. Mes lanciers là. Ah, ici là, on pousse devant, ça fait quoi ça? Partir un peu sur le côté comme ça. Hop, ça partira un peu comme ça, ça reviendra. Donc qu'est-ce que je fais ici? Ça, ici, ça j'en veux pas. Et ça, au cas où. C'est dans le bon sens, dans le mauvais sens, je sais pas. Ok, c'est comme ça. Voilà. Allez, commençons le déploiement. On va courir vers l'unité, vers l'ennemi. Absolument le faire venir. Je vais envoyer aussi ma cavalerie de mêlée. Bon bah lui là, les ordres, il les a pris tardivement. On tire, on n'hésite pas, feu à volonté les gars. On recule bien évidemment. Eux ils sont perdus là, je sais pas, ils sont divisés en deux. Ah bah vous les gars vous avez bien fait de venir. Hop, hop, on avance. Salut. Hop, un coup de raco. Voilà, là, ils vont vouloir aider le général derrière. Est-ce qu'ils vont le faire? Oui, donc. Je charge. Ah, c'est pas plus compliqué, les gars. Voilà, viens l'aider, je te bousillerai. Voilà, j'envoie ma cavalerie de mêlée. Apparemment, ça va me tirer dessus. Il bouge lui comme ça. Là. Hop, allez, corps à corps avec les unités là. Bien évidemment, on retire le mode feu à volonté, ce serait un peu compliqué sinon. Là-bas, on attaque par l'arrière, c'est gratuit. Même là, on va attaquer là par l'arrière plutôt. Par contre, j'ai retiré le mode feu à volonté, s'il vous plaît. Voilà. D'accord, ici, il a pas compris, c'est dommage. Allez là, tue-toi un peu.
Hop, c'est quoi ça? Ça c'est de la cavalerie moyenne en plus. Donc cavalerie légère, mais de corps à corps. Allez hop, on se barre, on sait jamais. Hop, toi, ici, direct, je vais pas savoir. Ah, ok, c'est parfait, hop, tout le monde. Tout le monde sur la cavalerie lourde là du milieu. Toi également, je vais pas savoir si t'as des soucis ou pas. Oh, putain, général, il a pris cher. Mince. Pour l'instant, c'est un coup de draco, un coup de morale. Elle tient beaucoup trop cette unité de cavalerie lourde. Retirer mon... Ouah, les pertes! Ouah, les pertes! Vite retirer mon... mes unités, là. Parce que là, ça arrive en... Ça arrive en nombre. Hop. Alors, on va prendre de la hauteur, ça va faire du bien. Toutes mes unités de lance-projectiles, on recommence le phare à monter. On va se mettre là, d'ailleurs. Là, tout le monde, là, je veux les décaler, là. Hop, on décale. Pas par là. Bon point, on a bien bousillé un peu de leur cavalerie, c'est surtout ça le point que je voulais. Là ça serait bien si je pouvais le tuer. Voilà, montons carrément là-bas. Oui, oui, oui. Voilà, on aura l'avantage en plus, tous ceux-là qui vont tirer dessus. Ah, oh. Ah ça j'avais pas vu ça. Je perds une unité de frondeur, c'est pas grave. Ici, hop, ah, les archers des steppes, s'il y va bien. On a la même punition, non tu... Allez, on tire. Voilà, non, oui, peut-être. Non, allez. Voilà, tout ça là. Allez, on tire. Allez, on retire tout le monde du beau champ de bataille là. Et là, c'est ce que j'attendais. Je pense que maintenant, c'est pas trop tard. J'espère. Ah si, c'est trop tard. Oh, oh, oh. Oh non, ça s'est cassé sur les... Ah, ça aurait fait tellement mal. Allez, allez, tout le monde là-bas. Hop, toi, retraite. Allez, on accélère. Ah, j'ai totalement failli. Alors là, je suis dégoûté. Pourquoi ils n'y arrivent pas, là? Et c'est quoi ton problème? Donc tout le monde sauf ma cavalerie dans ce projectile retraite. Ouais, je vais quand même vérifier que ça se passe bien parce qu'il y a des fois elles sont vraiment pas intelligentes là, les unités. Pourquoi ils bougent toutes seules? C'est quoi leur trip? Allez, voilà. On vide nos chargeurs, enfin nos munitions, on vide nos chargeurs, putain. Voilà, oula, c'est de la fente très lourde là. Bah, ils ont perdu le moral trop de suite simultanément. Une défaite décisive, mais on lui a fait, on lui a rendu un bon millier de pertes. Ouais, c'était... C'était pas formidable. Je pensais qu'ils étaient beaucoup moins. On va pas se mentir, le presque 5000, je l'ai pas vu venir.